You're checking out Breakdown FM, where we break down news, views, and the hip-hop movement. Right now, we're ok, hip hop origine. Alors, moi, mon histoire à moi, elle est simple. 1982, à l'époque, il y avait le New York City Rap Tour qui était passé en France. Et moi, j'étais jeune, j'avais 10-11 ans, j'étais un enfant. Je suis parti en colonie. En colonie, j'ai jamais été attiré par la danse et je me suis cassé le poignet. Et comme je me suis cassé le poignet et que j'étais en colonie, il y avait des gens qui faisaient l'éveillé. Comme j'étais le seul de la colonie qui avait un plâtre, et ben, la plupart des danseurs qui faisaient la chorégraphie me laissaient voir leur chorégraphie, là, pas pourquoi, mais bon. Donc, et pendant qu'ils répétaient, en face de moi, la première fois que j'ai eu la première fois que j'ai rencontré ce qu'on appelle le hip-hop, où j'avais un rapport avec cette culture ou n'importe quoi, c'est que j'ai vu un danseur qui s'appelait Candy, qui lui, eux, ils répétaient la chorégraphie de Michael Jackson, on est en 1982. Et lui, de temps en temps, je sais pas pourquoi, de temps en temps, pendant la répète, il fait le robot. Seulement qu'il avait dû le voir quand tu regardes un petit peu à l'époque, tu te rends compte que Michael Jackson, quand il était plus jeune, il faisait souvent le robot pour s'amuser. Et sur Can You Feel It, je crois que c'était plus vite, il faisait déjà le robot. Enfin bon, quand même plus bref. En tout cas, je sais qu'il faisait le robot à l'époque, Michael Jackson. Et moi, je regarde faire le robot. Mais moi je m'en fous de la danse, c'est ça qui est grave. C'est que la danse ça m'a jamais attiré, ça m'a jamais parlé, j'ai jamais dansé, je m'en fous total. J'ai 11 ans, je m'en tape. Mais le truc c'est qu'à un moment donné, en 1982, j'ai 11 ans. Et le truc qui est important là-dedans c'est que quand je rentre de vacances, on m'enlève mon plâtre, on est toujours en 1982, et ben j'entends la musique de la chorégraphie qu'ils ont faite. Et cette musique-là, je sais pas pourquoi, instinctivement, à force de les voir s'entraîner, je rappelle la chorégraphie, je fais des mouvements de la chorégraphie. Mais comme ça, hein, sans chercher à savoir danser. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça va tout seul, je fais le robot. Déjà, parce que j'avais vu, j'ai créé un mimétisme et je fais le robot. Et là, ça a été la première fois où tout d'un coup, j'étais pas encore dans la culture hip-hop. On est en 82. La première fois que la culture hip-hop, elle vient sonner à ma porte, c'est un ami à moi qui s'appelle Joël Slama. Il vient me voir et me dit ouais Yval, t'es au courant, il y a une nouvelle danse qui est arrivée qui s'appelle le Smurf. Non, c'est quoi, je sais pas, tu me parles d'un truc, je sais même pas que tu me parles. Mais si, va voir un film qui s'appelle Flash Dance. Et justement, je vais voir ce film Flash Dance et à un moment donné, ça fait What the light, feel the blue, every something. Et c'est à ce moment-là que je vois ce qu'on appelle le Smurf, nous on s'appelait des Schtroumpfs. Parce que quand on voit le film, tout d'un coup on voit que le mec il a les gros blancs, il a sa casquette, et là on est en 83. Et là je me dis, ah ouais c'est ça, donc on n'avait pas la notion de la culture hip-hop, moi j'appelle ça le Smurf, j'ai 12 ans. J'ai aucun mot technique, j'ai rien. Tout ce que je sais c'est que je sais faire l'automate, parce que ça fait quand même 6 mois que je fais l'automate, donc je commence à devenir fort. Je danse à Beaubourg, je rencontre les body popping. Déjà, là, j'étais un enfant, je les voyais devant moi. Enfin, les body popping, je ne connaissais pas les noms. Je ne sais pas qu'il y avait Chada Pop ou ça. Papson, le mec qui faisait ralenti à l'époque. Ça c'est des noms que j'ai compris un peu plus tard, mais je les voyais en face de moi déjà à l'époque. Et 83, et ben, je suis déjà dans ce moment, je m'appelle Flash Dance. Ensuite, il y a la fameuse émission HIPHOP qui arrive en 84. Mais le premier que j'ai vu, on va dire, dans la culture hip-hop, hors du hip-hop, c'est Kenzie. Donc, elle dit, c'est lui qui a créé Mr. Hammer.
Ensuite, la première fois que je vois ce qu'on pourrait appeler les danseurs hip-hop, c'est dans le film Flash Dance. Et ensuite, c'est dans l'émission HIPHOP. Mais dans mon quartier, les grosses têtes étaient des mecs comme Eric Samar. Il y avait Dany, il y avait. C'est lui qui, entre guillemets, a beaucoup aidé David Collat, qui s'appelait Albert, qui était un Black Panther. Il y avait des gens qui étaient un peu au-dessus de moi, des grands comme Thierry Assor, Thierry Ruff. J'ai vu que vous appelez Lion Scott à l'époque, et bah, lui aussi c'était une grosse figure de ma génération, il était un peu plus âgé que moi. Mais moi, personne ne m'a jamais rien appris. Hein. J'ai toujours avancé tout seul, mais c'était un petit peu les gens qui pouvaient être un peu plus âgés que moi, et qui auraient pu m'aiguiller à droite ou à gauche ou dans le truc. Voilà. C'est comme ça ma première rencontre avec la culture hip-hop, et déjà à l'époque j'étais pas trop mauvais, et j'ai compris deux choses. La première, c'est que moi je suis issu de la culture juive, et que chez nous il n'y a pas forcément de danseurs, s'en foutent, et que tout d'un coup je peux devenir le danseur des feuges. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que je pouvais être un anonyme, et grâce à cette culture, tout d'un coup devenir quelqu'un qui pouvait être un petit peu populaire. Voilà. Mais je fais partie des rares personnes qui sont restées après 85. Quand 99% de la France a arrêté, de 83 à 85, ben moi je suis resté. Voilà. Donc, mais je dois rien à personne. La personne qui m'a appris des mouvements, qui s'est dit à un moment donné, tiens, je vais le bloquer quelque part, je vais l'aider, non. Mais voilà mes premiers débuts. Bon, voilà, hip hop origine, voilà comment pour moi, voilà pour moi comment je suis tombé. Peace.